Aujourd'hui, je vais t'apprendre à tirer les bandes avec cette machine diabolique aussi appelée le banjo. Va savoir pourquoi. Ça se présente comme ça. Boîte résistante avec poignée ergonomique. Donc, t'as une roulette en inox que va entraîner la bande. T'as une vis de réglage pour la quantité d'enduit. Prends ton rouleau de bande, tu clips là, comme ça. Tu fais passer dedans comme ça et tu fais ça. Tu prends l'âge-partout, tu prends l'enduit, tu vois l'enduit, il faut qu'il soit comme ça. Tu mets de là-dedans, comme ça, bien. Après, tu prends la carapousse, tu verrouilles bien, tu fais demi-tour juste pour tendre l'enduit, c'est parti. Et du coup, tu le prends, tu vois, petit bout comme ça, tu le mets là-haut, paf, et tu déroules. Tu déroules, comme ça jusqu'en bas. Comme ça, tu laisses de la marge, tu prends la spatule, toujours dans la poche. Petit coin là-bas, regarde, paf. Une fois que tu as tiré la bande, tu prends les spatules comme ça et tu viens lisser. Tu viens lisser. Tu recoupères le maximum comme ça, là. Tu lisses. D'en haut, juste en bas. Comme ça. Comme ça. Pas la peine de vouloir la charger tout de suite, ça sert à rien. Laisse-la sécher comme ça tranquillement parce que tu en as beaucoup à faire, tu vas être fatigué. Ce que tu as pris de surplus, tu prends et tu profites, tu commences déjà à boucher les trous de vis qui sont par là. C'est jamais perdu, hein, c'est jamais perdu. Comme ça, tu vois. Et même quand tu as des angles comme ça, tu vois, la machine normalement elle n'est pas prête pour ça, il faudrait une tête spéciale. Mais c'est pas grave, tu prends quand même, tu tires ton ruban, tu mets là-bas, tu vois, et après. Comme ça, tout bien faire. Comme ça, tout le long, tu vois. Paf, paf. Tu vas jusqu'au fond. Arrivé au fond, pareil. Hip, hop. Après, tu prends ta spatule. Et tu viens la tapir partout. Si tu n'arrives pas à faire avec la spatule, tu prends une spatule comme ça. Regarde. Tu la mets dans. Paf. Paf. Tu touches pas, tu laisses comme ça. Et qui dit la bande d'angle comme ça en haut, tu peux aussi faire la bande comme ça verticale. Primer, bah, tu la prends, tu la mets là-bas, tu déroules, comme ça, jusqu'en bas. Pareil. Après, pareil, tu prends la spatou, tu viens. Hop. Hop. Ah, bien sûr que quand tu fais des cagades comme ça, pas grave. Tu prends, s'il faut, tu viens, tu arraches ta bande comme ça, tu vois. Tu la mets droite. Droite comme il faut. Paf, paf, paf. Ni vous ni cougnou. Spatule. Allez. Allez. Regarde comment c'est joli. Ah, il sait pas pour le prix que ça coûte le truc, hein. Parce que si moi je les aurais fait à la main, j'y serais peut-être encore en train de démarrer. Et là, tu vois, c'est prêt. Une fois que tu as fini, il faut nettoyer la machine. Pour nettoyer, tu commences comme ça. Tu arraches comme ça le rouleau. Tu ouvres la carapousse. Tu prends la bande, tu mets la bande comme ça, tu nettoies la bande. Après le surplus, tu le prends avec la spatule, hop, dans le seau comme ça. Tu vois, tu racles bien comme il faut. Une fois que tu as tout vidé, tu prends un seau vide, tu prends la machine, tu la mets dedans, tu prends la brossette comme ça et tu viens sauter tout ça dans l'eau, tu vois. C'est pas compliqué, quoi. C'est pas compliqué. Et voilà, elle est prête pour d'autres aventures.